Bonjour tout le monde, c'est Sylvain et Marie-Soleil pour la Bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, boîte adulte cette semaine, ce ne sont que des romans. Alors, tout le reste est pour les autres boîtes pour les semaines suivantes, on a tout tassé. C'est que des romans, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de demandes qu'on a eues. Alors, on commence tout de suite parce que ça déborde visiblement. Ouais. On est prêt? Oui. C'est parti. Alors, allons-y avec l'annexe ici. Image de chat, je ne sais pas trop quelle est l'histoire. Donc, assurément, quelque chose d'intéressant. Ça se passe à Londres. Elle n'est pas en mission à Londres, Tripoli ou Tel Aviv. Alors, on verra peut-être un personnage qui voyage. Ensuite, Tueur de l'occulte, 13 histoires vraies à glacer le sang aux éditions Guy Saint-Jean. On va avoir également 3 de Geneviève Anaïs Proulx. Aux éditions K numéro 5 XYZ la maison d'édition XYZ, probablement que c'est la collection K numéro 5, quelque chose du genre. Les promesses oubliées ici aux éditeurs réunis de Francine Carty-Carbin, probablement à l'anglaise, donc un beau livre style années 50-60. Alors, j'étais quand même proche, du sang des diners et tout ça. Ensuite, Un homme vaillant, ici, de Yvon Laprade, aux éditions Druide. On va avoir un Nora Roberts de Fêlure, donc le plus récent. Certaines blessures ne se referment jamais. Ouais. Ensuite, oui, ben, il faut mettre un plaster dans ce temps-là. Ensuite, on va avoir 13, ici, de Tueurs se cachent parmi les jurés. Alors, un thriller de chez Bragelonne. Intéressant, je vais peut-être me le taper éventuellement. Bouche cousue ici de Marie-Lou Addison. Marie-Lou Addison qui est connue des jeunes justement pour plusieurs séries, alors qui vient avec quelque chose d'un petit peu plus macabre probablement, donc aux éditions de Mortagne. On continue avec ici 6 femmes du monde de André-Paul Mignot aux éditions Urtubise. Le prochain... Corps inflammable, donc de Laura Lippman. Donc Stephen King nous dit j'ai adoré. Alors je viens tout juste de terminer L'Outsider justement de Stephen King. Alors probablement quelque chose d'un peu psychologique, épeurant, quelque chose en genre, probablement. Ensuite on y va avec Vague scélérate, un roman satirique de Thérèse Paquin. C'est probablement de psychothriller parce que c'est un psychothriller. C'était un psychothriller. Alors, en effet. C'est pas ça que tu l'as pris. Ensuite, on va aller avec 21 leçons pour le 21e siècle. Ici, par l'auteur du best-seller Sapiens. Ensuite, celui-là m'intéresse particulièrement. Les héritiers de Nikola Tesla, donc de Sébastien Chartrand. J'ai lu l'endo, ça se passe à Paris, c'est toute la question de l'électricité, il y a peut-être un complot, quelque chose dans le genre. En tout cas, ça a l'air très bon. Ensuite, de Hugues Corriveau, Dérive américaine. En fait, ce sont des nouvelles, c'est pas tout à fait un roman, mais ce sont des nouvelles aux éditions Druide. On va avoir ici, à celui-là, je lève. Est-ce que tu veux le nommer? Non, c'est non. Alors, Ghislain Tachereau, qu'on connaît bien pour différents personnages, des Bleus Poudres, entre autres. Donc, le livre « Hostie de tabarnak, preux chevalier francol ». Alors, après Cyrano de Bergerac, voici le chevalier « Hostie de tabarnak ». Alors, voilà, c'est du Ghislain Tachereau, je suis certain. Ça devrait être très bon. Ensuite, ici, le problème à trois quarts. Ici, donc traduit du chinois, donc peut-être un petit peu différent dans la façon de l'écrire. C'est une suggestion qu'on avait eue justement au niveau des livres science-fiction, parce qu'on n'en a pas énormément, donc on va essayer d'améliorer notre collection de ce côté-là. Ensuite, Le secret du colibri, ici, aux éditions PH. Quelle est la maison d'édition? C'est Groupe Livre Québécois avec PH, fait probablement une collection, quelque chose dans le genre. Je vous avoue que je ne la connais pas, celle-là. Alors, on va faire nos petites recherches pour la prochaine fois. Le dernier chalet, ici, de Yvon Rivard, aux éditions Le Méac. On va avoir également de Marie Laberge, Traverser la nuit chez Québec-Amérique.
On a ensuite Marie-Camille, le tome 1, donc probablement une série de, de France Laurent aux éditions Guy Saint-Jean. Ah ben, ça, les trois ici, donc les suites des trois premiers livres qu'il y avait eu sur Yamaska. Donc on a maintenant Marie-Pierre, Alicia et Ingrid. Alors pour ceux qui ont lu la première trilogie là, des livres qui suivent ou qui précèdent, je ne sais plus trop, là, la série Yamaska. Je vous avoue que je ne l'ai pas écouté, les Yamaska. Mais c'est ça. Alors, les trois premiers ont beaucoup sorti. Probablement que ces trois-là vont sortir également. Leslie et Coco de Marie Demers aux éditions Urtubise. On va avoir également de Jojo Moyes, Où tu iras, j'irai. Toujours des titres un petit peu drôles avec cet auteur-là. J'aime bien. Ensuite, on va avoir Tempête ici de André A. Michaud. Également, on a... Ouais, bon, on peut y aller avec ces deux-là, en fait. On aura Tutura l'ange et Tutura le père. En fait, on avait acheté le troisième qui était Tutura quelque chose d'autre. Mais on savait pas que c'était une trilogie. Donc, on a acheté justement les deux autres qui sont le tome 1 et le tome 2. Ici, j'ai le tome 2, tome 1 qui est là. Donc, ouais, non, c'est ça, c'est qu'il n'est pas marqué dessus, mais moi, j'allais vérifier. Donc, tu tueras le père, tome 1, tu tueras l'ange, tome 2. On va vous les arranger pour que ce soit facile à comprendre à ce moment-là. Ensuite, on va y aller avec Iron Skull. Donc, histoire de motard de Jen Martin. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. G-E-N, Jen, aux éditions ADA. Ensuite, on va avoir ici les dernières heures. Lorsque la mort noire arrive en Angleterre, elle apporte avec elle terreur, jalousie et vengeance. On va avoir également ici Émergence de Éric Tourville. J'aime la couverture, un cerveau, mais c'est très beau, c'est très bien réussi. Ensuite, on va avoir ici Déchéance, donc le livre 2, Feu et Ombre, aux éditions de La Luzerne Rousse. On va avoir James Patterson et petit Candice Fox. Plus jamais, donc aux éditions L'Archipel. Alors, on voit que James Patterson est le nom fait vendre beaucoup, donc on le met un petit peu plus gros, c'est quand même très drôle. On va voir Joël ici, qui est en fait le tome 3 d'une série. Donc, pour toi, mon amour, pour toujours. C'est bizarre parce que j'écoute une série, il y a un personnage qui s'appelle Joël. Oui, mais je pense pas que ce soit la même Joël. Ensuite, on va voir ici Entre l'eau douce et la mer de Louise Tremblay-Desciambre. On a été chercher quand même une très belle version. C'est une version collection, en fait, qu'on a été chercher. Fait que tant qu'à aller le chercher... on y va avec une plus belle collection dans ce temps-là, surtout que c'est une réédition en fait, donc, mais qu'on n'avait plus ou qu'on n'avait pas. Ensuite, de Wally, on va avoir Mission Tireur d'élite. Alors, un livre sur. Dans le fond, je crois que c'est un peu. Pas une autobiographie, mais il raconte, dans le fond, ce qu'il a vécu en Afghanistan. Alors, très bon pour ceux qui aiment les livres un petit peu plus au niveau militaire. Ça devrait vous plaire. Mort et vie de Strother Purcell. Moi, je crois que c'est Strother. C'est TH. Strother. On va dire Strother. Oui. Alors, Monsieur Weir, si vous traduisez de l'anglais, Monsieur Weir n'écoutera probablement pas notre capsule. Alors, désolé, en espérant qu'on le dise le mieux possible aux éditions Le Méac. Ensuite, 7 secrets plus intimes, ici de Judith Bannon. Dans le fond, on l'avait parlé il y a quelques temps, il nous manquait justement des certains livres de Madame Bannon. Alors, on a été les chercher pour compléter tous les livres qu'elle a. Ouais. Désolé. Pas de problème. Alors, La femme de personne de Anne-Marie Desbiens aux éditions Guy Saint-Jean. On vous l'avait dit que la boîte était grosse. Ouais. Voyage désorganisé, destination Floride de Mélanie Cousineau aux éditeurs réunis. On va avoir également Un vent de liberté, le tome 1 aux éditions JCL. Donc, 2, 3, habituellement trilogie, ce genre de livre-là, généralement, on en a 3. On va avoir également Ont-tu la une? Donc, marqué une nouvelle. Donc, d'après moi, c'est probablement un recueil de nouvelles aux éditions Druides.
thème le prochain. On en a avec des beaux titres cette semaine. Les morts sont des cons. J'adore. Et voilà. Donc, que dire de plus? Non, moi, je dis rien de plus. Voilà. Ça dit tout. Ça dit tout. Ensuite, American Elsewhere, ici, de Robert Jackson Bennett. Donc, une traduction. C'est une demande qu'on a eue de la part d'une lectrice. On va avoir également La Neuvième Tombe, ici, un autre roman chez Albin Michel. On va avoir M pour Métal de Christine Brochu. Maison d'édition, c'est La Plume d'Or. Excusez-moi, c'est écrit un tout petit dans le bas. Donc, un autre beau livre. On y va avec Eden, ici de Jeanne M. Blasberg. Aux éditions Les Escales. Encore là, pas facile à lire au travers du gazon. Au travers du gazon. Ben oui, c'est du beau gazon. Et on va terminer, c'est le dernier? Oui, c'est le dernier. Donc, de Suzanne Roy, on termine avec Un cœur vide, la collection Monarque aux éditions ADA. Alors, du roman, il y en a plein. Alors, gênez-vous pas, on continue jusqu'à la mi-décembre à avoir des grosses boîtes comme ça. Il nous reste un petit peu d'argent de la subvention, on l'utilise, gênez-vous pas, faites-nous signe de ce que vous voulez avoir. Sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de journée, on vous revient avec d'autres capsules très bientôt. Au revoir!